Salut les gens, aujourd'hui je vais vous expliquer la meilleure façon pour gagner ces 10 parties de placement et arriver plat 5. Alors je suis conscient que chacun a son style de jeu, mais je vais vous dire en général la meilleure option. Je tag le milieu et la jungle. Pourquoi? Car c'est les rôles où vous avez le plus de contrôle de la carte pour aider votre équipe. Vous pouvez aussi jouer top si vous avez un niveau très élevé et que vous maîtrisez parfaitement un champion comme Fiora avec une téléportation pour aider votre équipe. Mais évitez vraiment la bot lane, vous allez comprendre après pourquoi. Donc voici mes 10 games. Je mène la mid lane et un peu la jungle. Pour commencer, je vais vous conseiller un pick safe. Lux, dans mon cas, j'ai fait une vidéo où je vous montre la liste des picks safe dans la description. Ensuite, un pick que vous maîtrisez très bien, mais pas super safe, ici c'est Talia. Et un pick qui contre des champions que vous ne pouvez pas gérer avec vos deux premiers. J'ai pris Zed, c'est pratique aussi quand mon équipe a trop d'AP. Je parlerai de la Shyvana en jungle après. Maintenant, que faut-il faire dans la partie pour carry votre équipe au mid? Voici les trois choses les plus importantes que je fais. Numéro 1. Je gank la bot lane. La bot lane, c'est le paradis. Vous avez deux champions, souvent en carton, très faciles à tuer. Quand vous les tuez, c'est un dragon ou une tourelle complètement gratuite. Vraiment, avec un bon gank niveau 6, vous avez de grandes chances de retourner déjà la situation et de gagner la partie. Numéro 2. Je suis présent sur toute la carte. Je regarde très souvent ma carte pour être à l'affût de la moindre action et je fais tout mon possible pour aider mon équipe. Évidemment, si votre top meurt en 1v1 en 3 secondes, bah c'est pas votre faute. Mais si vous jouez dans votre coin, c'est mort. Numéro 3, je fais un maximum de dégâts pour que ce soit plus facile pour mon équipe avant un teamfight ou une prise d'objectif. Cependant, faites très attention de ne pas mourir. Maintenant pour la jungle, j'ai pris Shyvana pour 3 raisons. D'une part, elle fait des dommages hybrides, c'est-à-dire qu'elle fait presque autant de dommages physiques que magiques. Du coup, elle sera utile dans n'importe quelle équipe. D'autre part, elle fait très facilement les objectifs, comme le Drake, le héros, etc. Et pour finir, elle peut s'adapter à beaucoup de situations en changeant son build. Elle peut être extrêmement tanky, être rapide en attaque physique contre des tanks, ou encore être plus côté magique contre certains ennemis où elle pourrait pas attaquer en mêlée. Du coup, votre rôle avec Shyvana va être de prendre un maximum d'objectifs le plus rapidement possible. Vous pouvez y aller en solo. Vous n'êtes pas un jungler qui gank facilement avant le niveau 6, mais vous pouvez counter gank. C'est une notion que je verrai peut-être dans une autre vidéo plus tard, le but est juste de contrer le gank du jungler adverse. Mais c'est compliqué car il faut le sentir et le voir venir. Par exemple ici, quand Lee Sin a utilisé ses outils pour se rapprocher, il n'avait plus rien pour s'enfuir, du coup c'est très simple pour Shyvana de counter gank. Donc là je vous ai parlé de contrer les ganks, de prendre les objectifs, de décaler à la bot lane, tout ça c'est une forme de vision de jeu, c'est le plus important. Soyez toujours prêt à aider votre équipe. Aidez-les, même si c'est juste pour poser une ward dans un buisson pour aider votre mid lane, bah peut-être qu'il sera content parce qu'il pouvait peut-être même pas ward sans mourir. Maintenant il vous reste plus qu'à choisir vos champions et de les maîtriser pour devenir des monstres avec. Je tiens à préciser que ce guide n'est pas pour les joueurs débutants, il faut connaître toutes les bases du jeu. Et j'ai énormément joué avec ces champions, donc prenez le temps justement en faisant par exemple un smurf de vous entraîner. Bonne chance. Ah et si vous faites un smurf, je vous conseille cette vidéo pour avoir un skin gratuit avec le champion que vous voulez. Ciao.